Frère Maxime, grâce et paix, bon Dieu, avec vous. La paix, bon Dieu, avec vous. Et je dis, on a mis fin à une série que nous avons commencé. Nous songeons que nous sommes dans Matthieu 5 depuis quelques jours. Nous avons parlé des béatitudes, le sermon de Jésus sur la montagne. Donc, et je dis, on a besoin de la dernière partie pour qu'il mette fin à la série. Ça. Semaine dernière, nous t'ai parlé de ceux qui procurent la paix. Et bien, je dis en référence, nous, c'est dans Matthieu 5, versets 10 jusqu'à 12. Nous lit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Eh bien, Christ fait une déclaration encore, mais fois ça, il a parlé de monde qui accepter persécution yo moun ki que persécuté pour la justice, moun que persécuté pour le nom de Jésus, moun qui subit persécution à cause de position que on prend pour bon Dieu. Et bien il parle que nous supposer heureux la situation s'est arrivée, le a outragé nous, le a persécuté nous, leur accuser nous, ils dit faussement et des choses de nous que nous pas fait. Eh bien, il dit à cause de tout ça, pour nous, on aurait été dans la joie, dans l'allégresse, parce que récompense nous abgrande dans les cieux. Il dit c'est comme ça que t'es persécuté, prophète qui était avant nous. Moi toujours arrangé pour expliquer clairement que vivre pour Christ c'est pas une chose facile. Persécution que Jésus-Christ a parlé là, li à différents niveaux, nous joignons li et sous différents échelles. Actuellement, pendant que je parle avec nous, il y a des pays au monde côté que les chrétiens qui subissent la mort à cause du nom de Jésus-Christ. Et c'est ça que fait chaque fois que moi rends compte des fois que yon moun nou état tellement triste prête pour m'en délan mort à cause d'un petit problème que le rencontrer ou bien nous assembler ou bien pendant la fin mission sous chemin et pour jeune moun ça découragé complètement li prête pour quitter ça. Eh bien c'est parce que moun ça pas prendre le temps pour connaître déjà qui ça que t'es grand à préparer, qui ça que Christ t'es grand à annoncer, parce que il fait partie de bénédiction. Et c'est ça qui fait que pour capable comprendre concept ça, faut qu'on au niveau de foi qui est très élevé, faut son chrétien, faut son croyant, faut gagner en pile la foi. C'est pas de nom, mais faut réellement accepter pour souffrir et pour mourir pour le nom de Christ. Parce que dans un message qui était sorti pas de bien longtemps de ça, côté que nous dit que si vous voulez participer dans la résurrection Christ, mais ça, c'était pour dimanche Pâques, le jour de la résurrection de Christ. Eh bien, nous t'ai dit que si vous voulez participer dans la résurrection, eh bien, il faut prêt tout pour participer dans la mort de Christ. Donc, assez souvent, il y a un pile de monde qui t'a aimé recevoir un pile de Jésus-Christ, mais il n'est pas prêt pour y en rien. Oui, c'est pas une vie facile, des persécutions. Comme moi dit, il y a différents volets. Moun souffrit pour le nom de Christ. Des fois, gen yon tendance d'ironie, capable de joindre des positions même que moun garde contre peut-être dans travail ou peut-être des amis qu'on te gen autrefois, et bien qui viennent changer parce que qu'on est connu ou son moun qui bay Christ la vie ou, et bien on rend nous compte que gon changement parce que dépendant de moun sa, li pa senti que ou qualifié pour faire partie de rang social li encore. Donc il y a toute forme de persécution, toute forme de souffrance. Mais Christ est quand t'a parlé non,
li di nou pou nou rete ferm, pou nou rete, pou nou, se yon jwa ke liye nou suppose aksepte, l'apotre Paul souvan mande nou tou pou nou aksepte komon suje de jwa, soufrans yo. Li tre difisil, se yon konsept ki veri, ki tre, tre, tre kompleks, men, por la fwa, wap kapab kompren ki sa kris vle di por la. Kris li menm a soufer la persekusyon. Il se soumi volontèrman à cette persécution dont je vous parle. Dans Ésaïe chapitre 50 verset 6, nous lit « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Christ accepte-t-il volontairement? J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Nous tous nous courant de souffrance Jésus-Christ avant que les crucifiés sous quoi, mais l'été accepté souffrance là, les soumettre les volontairement à souffrance ça. Assez souvent nous voyons pieds, nous babiller, nous jouer toi. Faut nous faire preuve de soumission à la volonté de Dieu. Lorsque chrétien est victime de mensonges proférés à son encontre à cause de Christ, une telle persécution contient en elle la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, c'est pour capable accepter souffrance ça comme une bénédiction. Et il faut faire preuve de patience. Christ est très patient, tout, c'est pas seulement il était soumettre lui à persécution, mais il avait fait avec patience. Christ l'a enduré, il a enduré cette persécution avec patience. Dans Ésaïe 53, verset 7, nous lit « Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tordent, devant ceux qui la tondent, excusez-moi. Il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. » Christ a enduré cette souffrance avec patience. Il a été maltraité, nous dit Ésaïe 53. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. L'hypat réagit, et c'est là ça important dans la vie croyante. Des fois, c'est pas mal, nos situations parfois mal. C'est pas dû persécution, pas dû non encore, mais une attitude qu'on suppose garder. Des fois nous plaignons trop, nous plaignons pour n'importe bagaille. Souffrance là, c'est pour monde qui n'a Christ que lié. Persécution, c'est pour monde qui n'a Christ. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ils seront persécutés. Donc persécution la présenter sous toute forme. Mais faut ou même dans réserve vous faut qu'on ait déjà que c'est pas parce qu'on sont rejetés assez souvent ou jeune monde qui caractérise souffrance croyant comme étant un châtiment qui venait de Dieu. Non, contrairement à ce qu'on pensait, gen moun qui gen tendance n'importe situation que le jeune dans la vie, il dit c'est bon Dieu qui a réglé la vie, c'est bon Dieu qui a puni on. Ou je ne sais souvent. Yo même arrivé m'a des crises, leur te rencontré monsieur qui est aveugle là, yo m'a dit mais est-ce que monsieur ça c'est lui qui t'a fait un bagage ou bien est-ce que c'est pas un ni? Crise dit c'est pas ni parent ni lui-même. Ça avec fait là c'est pour la gloire de Dieu. Il y a de souffrance, il y a de persécution déjà calculé par Jésus-Christ dans la vie où. Mais faut apprendre à accepter avec patience. Dans 1 Pierre, chapitre 4, versets 12 à 14, nous lit « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, de l'apport que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » C'est ça que M. dit nous tout à l'heure.
L'homme demandait est-ce que faut nous capable participer dans la crucifixion Christ, faut nous capable participer dans la mort li pour nous capable un jour faire partie de résurrection. Ça que le parler nous souvent, mais il y a monde qui pas d'accord pour souffrir du tout dans la question parce que il était très mal renseigné. Ça vous fait comprendre de vivre pour Jésus, hein? Eh bien, peut-être enseignement t'es erroné, il était fausse parce que il pas fait connaître que il y a trac à la donne. Toujours dit que servir mon Dieu c'est pas un bagage qui facile. Il y a pile déception là-dedans, il y a solitude là-dedans. Hein? Il gagne ou un sentiment de rejet, ou senti que écarté ou rejeté. Hein? Il y a des choses, il y a des commentaires qu'on attend que mon fait souvent dans l'église. C'est pas qui qu'il faut quitter l'église, oui. Pas jamais tourner encore. Mais pour le nom de Christ, vous obligé à accepter. C'est très important. C'est très important, faut nous apprendre à souffrir patiemment. Dans le livre de Job, au chapitre 42, nous voyons que l'Éternel accorda à Job le double de ce qu'il avait possédé. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières. Mais souffrance, Job, ce n'est pas ton bagage facile. Patiemment, il attendait sa délivrance. Il n'a pas renié Dieu. Il n'a pas écouté la voix de sa femme qui lui demandait de renier Dieu et de mourir. Non, il s'est accroché à cette espérance. Et cette espérance-là, c'est lui qui tout pour vous et qui tout pour moi-même tout. Cette espérance-là, eh bien, nous n'avons pas gagné pièce sans rien qui kembe nous dans la vie, mon Dieu. Faut continuer à souffrir. Ce n'est pas qu'on choisit la souffrance comme étant un mode de vie. Mais si souffrance l'avini, si épreuve l'avini, c'est pour accepter. C'est pour accepter. L'apôtre Paul m'a dit qu'il faut considérer comme un sujet de joie. Lorsqu'on est que c'est pour Christ qu'on a souffert. Ce n'est pas une chose facile. Oui, on peut comprendre cela. On peut le comprendre. Mais Christ endurait souffrance là avec patience. Il soumet lui à souffrance là. Il dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Des fois, ce n'est pas senti ou pas senti mon apilo. Ce n'est pas senti ou pas senti sous dos, non. Mais une attitude qu'on suppose garder. Une attitude pour garder. Et c'est la foi pour qui baroule. Dans un moment épreuve, ou supposé puiser dans la réserve. Hein? C'est dans la réserve oui, pour puiser, pour capable de joindre ça aurait besoin pour continuer à faire chemin, parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Tout le monde qui a besoin de vivre pour Christ, a besoin de vivre pieusement, a besoin de vivre pour faire Christ plaisir, et bon, on va rencontrer des épreuves, on va rencontrer des souffrances. Pour rencontrer des persécutions. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Christ dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Sous faire des recherches, sous continuer. Hein, ou abjoindre des passages qui expliquent comment prophète Saïo est mort, comment il est persécuté. Et même les disciples de Jésus-Christ, c'est seulement un seul là-dedans qui peut mourir d'une mort atroce. Son seul qui est mort d'une mort naturelle. Tout l'autre chose, Saïo est décapité. Il y a dans des chaudières d'huile bien chaud et des hommes qui tapent marché avec Christ. Des hommes qui tapent marché ensemble avec Christ, ils ont tout subi, ils ont tout passé comme des martyrs. Ou même premier boulet doit tout fonti brûler. Hein? Ou quand on a joué, on voit et puis on prête pour quitter ça. Mais Christ est quand on a annoncé nous. Il est quand on fait nous connaître que souffrance là, c'est pour le monde qui est dans Christ. Il dit que nous mettons préparés nous parce que nous avons des persécutions. Adversité, hein, tant qu'on saute l'île déjà,
dans 1 Pierre chapitre 4, hein? Dans 1 Pierre 4, nous sommes l'île pour nous déjà. C'est pour le monde qui est dans Christ. Donc, principe qui fait comprendre que le monde qui a souffert, c'est le monde qui n'a pas fait la volonté de Dieu, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas, moi bien dit oui, ce n'est pas toujours le cas. Si vous, moi répétez ça déjà, il y a un monde qui a servi Jésus-Christ, ou pas rencontré avec des obstacles sous chemin, qui ont des caractères spirituels, ou bien pour prendre une pause pour demander est-ce que conversion est correcte, parce que vous aurez des difficultés. Il y a commencé après conversion. Supposé préparer ou pour ça, parce que vie ou pas même encore. Vie ou pas même. Pour le nom de Christ, ou après souffrir. Ou après souffrir, me songe, je me rencontre en seule église qui dit que passage ça, pour que j'aime quand j'ai dans la tête, parce que j'ai des années, me convertis, même vie me allait très bien, me pas senti rien. C'est à considérer. Parce que normalement, on supposait rencontrer des difficultés pour le nom de Christ. Il n'y a pas à sortir de là. Il y a des choses qui sont venues sous chemin. Et là, ça, on connaît. On connaît. On connaît qu'on souffre pour le nom de Christ. Il n'y a pas à sortir de là. Il n'y a pas à sortir de là. Souvent, il manque d'expliquer au monde qui s'accapte en lui, le lien engagé lui, hein, pour le vivre pour Christ. Le wap vivre pour Christ, son bagage qui tout à fait normal. Wap souffrir. Wap gagner pour souffrir parce que Christ déjà annonce ça. Il est déjà fort qu'on est que gen souffrance capte nous. Dans si nous lis Matthieu 10 verset 12. Non, c'est pas dans verset 12 non. Matthieu 10, verset 22. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, à cause de son nom, ou à persécuter. C'est ça qui fait que, au moment que tu es arrivé, l'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Paul t'est rendu compte que, eh bien, même l'évangile sale t'a persécuté, aujourd'hui, c'est lui encore qui a parlé de lui. C'est lui encore qui vient passer comme messager de Christ. Il dit, moi, pas honte l'évangile ça encore. Pour le nom de Christ, vous serez haïs de tous. Vous serez haïs de tous. Faut pas prendre persécution comme étant un châtiment qui vient de Dieu. Contrairement à ça, en pile monde pas le faut comprendre. C'est pas un châtiment que lié. Ça c'est un verset qui comporte eschatologique, ça me saute Libanon là. Les persécutions décrites ici semblent appartenir à la période de tribulation qui précède le retour de Christ. Donc, vous venez joindre à des moments différents dans l'histoire de vie chrétienne. Vous venez joindre à des moments différents. Vous venez de pas accélérer, vous venez sentir, vous mettez un accent sur lui. Par exemple, cet an dernier, vous prenez nous compte que persécution parle beaucoup plus à cause de la venue de Christ qui n'est pas loin. Parce que Satan, le diable, déjà connaît que tant l'est limité, hein, il connaît Christ Abtoné, il pourra mettre plus persécution sous petit bon Dieu, il pourra persécuter nous, la persécuter nous jusqu'à la porte du ciel. Persécution, c'est pour le monde qui est dans Christ. Sous pas dans Christ, mais qui intérêt le gain pour le mieux, il n'est pas mieux, ou pas sous chemin, ni. Ou déjà non quand dit mon déjà non ou déjà fait partie de ou déjà pour lui il pas gagne faut le faire pour le mieux mais le connaît qu'on saut sous ou appartenir à Christ et ben persécution pour elle commencer amen
pour le commencer. Mais ne pas supposer faire peur parce que Christ déjà a endossé toute responsabilité à la croix. Il va vous déjà la victoire. Et il n'est pas mandé pour souffrir d'un bagage qui est impossible. Non, il a lui-même souffert la persécution. Il s'est soumis volontairement à cette persécution. Il l'a enduré avec patience. Il a été maltraité et opprimé. Mais la Bible nous dit qu'il n'a point ouvert la bouche. Hein? Il s'est fait semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Il gardait une attitude tellement soumise. Hein? Il coubait devant situation. Souvent, tant qu'on fait qu'on est là déjà, nous réagit d'une façon réellement. On prend qui fait des gens qui connaît garder le monde mais est-ce que réellement monde ça t'a servi mon Dieu pour qui ça dans situation ça c'est attitude ça regarder. Quel de bagaille qui dure, quel de bagaille qui en met. Couple pas facile pour nous boire. C'est ça que fait dans prière chaque jour c'est pour demander bon Dieu pour bon réserve, faut le préparer pour mauvais jour yo. Parce que on va rencontrer avec des jours qui réellement amers. C'est Christ qui baou moyen pour faire face avec eux. Amen. Donc, frère Maxime, moi, yo, donc, on fait qu'on est déjà. Tout le monde qui voulait vivre pieusement, bien dit, pieusement, en Jésus-Christ, eh bien, la Bible nous dit que ces gens-là seront persécutés. Jésus est servi Christ par un bagage qui est facile. Servir Jésus-Christ par une chose facile. Mais, si on connaît qui est Christien, si vous coupez en bas volonté, ou déjà qu'on est parole li, ou déjà qu'on qui ça l'annonce, qui sont doués attendre qu'à présenter ce chemin, eh bien, ou passer dans la fournaise là. Tant qu'on dans 1 Pierre 4, verset 12 à 14, que je saute l'italien, ou passer dans la fournaise là, et ou repasser encore, parce que Christ a bas au moyen, l'a bas au moyen pour que ça fête. La ba ou possibilité pour le faire ou pas c'est pas avec autorité pas ou mais lui même la ba ou possibilité pour capable passer à travers situation ça yo parce que c'est pas une chose facile c'est pas une chose facile 1 Pierre 4 verset 12 à 14 dit mais bien-aimé ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve ou à plat d'ani comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Apôtre l'a déjà dit ou que pour pas étonner, c'est pas un bas extraordinaire qui rivo, il fait partie de vie chrétienne ou. Il dit réjouissez-vous au contraire de l'apport que vous avez aux souffrances de Christ. Afin que vous soyez dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Faut capable accepter souffrance là pour capable participer pleinement. Les jours de gloire ça arrivé. Donc ou même qu'a souffri quel que soit côtoyé en hein, quel que soit assemblée dans quel que soit l'église qu'on retrouvé dans quel que soit pays qu'oyé eh bien accepter souffrance Christio accepter souffrance pour Christ il était déjà mandé au ça depuis avant qu'on te vienne jeune il mandé où vous prenez patience parce que gagnez un prix gagnez une récompense après toute souffrance ça amen moi remercier nous chose que me pas songe fait dans commencement message là c'est toujours un plaisir chaque vendredi moi remercier nous le fait que nous quitter parole la rentrer la caille nous c'est déjà une grâce parce que c'est pas tout le monde qui a tolérance pour parole. Souhait bon Dieu ba aux oreilles pour capable écouter l'évangile et ben dis mon Dieu merci parce que c'est pas tout le monde qui a chance ça. Amen. C'est pas tout le monde qui a goût pour la parole de Dieu. Mais si vous même vous faites partie de monde qui soif. Hein, monde qui soif pour parole et ben dis mon Dieu merci. C'est pas donné à tout et chacun. Dis bon Dieu merci et prends patience dans la souffrance qu'on va endurer, sous quelque soit forme que le présenter.
Tout c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Frère Maxime, moi, m'a quitté nous. Nous connaissons le message, je ne suis pas capable plus long. Moi, m'a dit nous pour nous rester dans la parole, rester dans la prière. Il y a un pile dans nous qui a fait face avec des difficultés. Et ça fait même partie du message que nous sommes exposés par où. Eh bien, prenez avec courage, Christ au courant, rester dans la parole, rester dans la prière. Donc, on fait chaque fin de semaine, moi, demander pour nous passer une fin de semaine agréable, faites en sorte que Dieu nous capable de fixer sur la parole. Faites en sorte que nous restions dans la prière, qu'on soit ferme. Jésus-Christ a venu bientôt. Que la grâce et la paix de Dieu restent avec nous. Et nous souhaitons, selon la volonté de Dieu, semaine prochaine, nous sommes capables d'aborder l'autre sujet et tout ça pour la gloire de Dieu. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous, mes frères et sœurs. La paix de Dieu avec vous.